Là, je me suis là, c'est pas moi. Il fait ça de son propre chef, c'est pas moi qui décide. Tiens, tu vas regarder, c'est Steve. Tu vas sur le compte de 3, tu es sur un métier, tu vas manger, compte 1, 2, 3. Tu es bien calme, relâché. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de t'assier. Le gyroscope interne te permet de tenir bien droit. Ici, sous-titrage, tu regardes ici, 1, 2, 3, sans être profond, tu es bien calme. Relâché, toi aussi, impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de t'assier. Arnaud, je viens ici mettre entre tes mains une arme. Tu la tiens bien fermement. C'est une arme de guerre. Tout simplement puisque Arnaud et Steven, vous n'êtes plus ici Arnaud et Steven qui travaillaient chez Cartoneo, mais vous êtes tout simplement les sergents Arnaud et sergent Steven qui ont été amenés ici dans le cadre du plan Vigipirate pour protéger toute la salle. Dans quelques instants, Steven, Arnaud, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez prendre pleine possession de vos moyens, mais vous serez dans l'obligation la plus totale d'ouvrir les yeux et de partir chacun de votre côté dans la salle pour protéger tous les gens ici présents. Je compte 1, vous remontez tranquillement parmi eux. Je compte 2, cet ordre devient une réalité pour vous. Vous êtes tout simplement les sergents Steven et Arnaud. Et sur le compte de 3, vous êtes vous-même. Pas mal cette histoire, allez bien avec moi. Viens par là. Voilà. On s'attire. Viens par là, c'est juste ici. Voilà, tu ne bouges plus, Jean-Charles. On est bien. J'ai une de Laetitia. Une par ici. Et une Laetitia par là-bas. Je vous sépare un petit peu, vous êtes trop. Ok. Cécile. Hop là, une par ici et une. Voilà, une là. C'est bon. Alors. Tu vas mettre les bras dans le corps. Jean-Charles, il est tout en protection. Tu sais. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu regardes ici, 1, 2, 3, 5 mètres profond. Tu es bien calme, relâché. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. Tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Tu regardes ici, 1, 2, 3, 5 mètres profond. Bien calme, relâché. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. 5 mètres profond. Tu es bien calme, relâché. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. Tes yeux sont hermétiquement fermés. Dans la capacité la plus totale de les ouvrir, tu regardes 1, 2, 3, 5 mètres profond. Bien calme, relâché. Impossible. Je reste maintenant uniquement à Jean-Charles. Jean-Charles, à partir de maintenant, je viens mettre entre tes mains ici un casque. Mais ce n'est pas n'importe quel casque, c'est un casque de audio, un casque de DJ, puisque devant toi ici, tu as des platines et des boutons. Puisque tu n'es plus ici, Jean-Charles, mais tu es tout simplement Jean-Michel Guetta. Le DJ le plus réputé de la planète. Si bien que dans quelques instants, Jean-Michel Guetta, lorsque la musique va démarrer, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras dans l'obligation la plus totale de te mettre à mixer avec tes platines, à tourner tous les boutons pour ambiancer ici ce public de festival électro que tu as en face de toi. Ça lui va bien. Je m'adresse maintenant ici à Cécile et Laetitia. Cécile et Laetitia, je viens changer ici votre tenue vestimentaire puisque vous n'êtes plus Cécile et Laetitia, mais vous êtes tout simplement deux des plus grandes gogo danseuses du monde. Si bien que dans quelques instants, lorsque la musique va démarrer, Cécile et Laetitia, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez reprendre pleine possession de vos moyens, mais vous serez dans l'obligation la plus totale de vous mettre à danser pour ambiancer ici le son du DJ Jean-Michel Guetta. Je m'adresse maintenant à Patricia et Laetitia. À partir du moment où vous aussi, je change votre tenue vestimentaire. Et vous aussi, vous devenez deux des plus grandes gogo danseuses au monde. Si bien dans quelques instants, Laetitia, Patricia, lorsque vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devoir vous mettre à danser pour ambiancer vous aussi le son du DJ Jean-Michel Guetta. Je compte 1, vous remettez tranquillement parmi vous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne totalement à l'intérieur de votre esprit. Et je compte 3, vos yeux s'ouvrent maintenant. Thank you.
quoi, Jean-Charles? C'est ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que vous faites? Allez, vous asseoir sous les applaudissements du public. Oui, l'ordre de l'attente, ça n'a pas fonctionné, ça m'a énervé, j'entends. Je ça, quand on m'énerve, j'endors. Ah, voilà, je vais vous faire venir. Laetitia, sur le compte de 3, tes yeux s'ouvrent, tu reprends une bonne position de tes moyens. 1, 2, 3, tu reviens. Ça va? Oui, les chiens, là. Bien, je t'aide. Alors, c'est pas le même, tout le monde entend. Ah, mais je t'aide. Ok, donc, j'ai une enfance tranquillement pour moi, encore, de plus en plus, tu regardes juste ici, c'est bon, 1, 2, 3, c'est bon, enfin, tu es bien, calme, relâche, non, de plus en plus, alors, relâche, tout en force tranquillement, au plus profond, encore. Dans quelques instants, Catherine, lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu ne seras plus Catherine telle que tu la connais, mais tu seras tout simplement une coiffeuse. Et lorsque tes yeux vont s'ouvrir, Catherine, tu seras devenue responsable d'un salon de coiffure et tu seras en train de coiffer Laetitia, ici présente à tes côtés. Tu te lèveras, tu passeras derrière sa chaise pour pouvoir la coiffer jusqu'à ce que cet ordre disparaisse de ton esprit. Je compte 1, tu reviens tranquillement parmi nous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans ton esprit. Et je compte 3, tu ouvres les yeux. Maintenant, je vais tout simplement modifier ici l'intérieur de ton corps. Puisque tu n'es plus Valentin, tu vas devenir un acteur très très célèbre. L'acteur du Seigneur des Anneaux, Gollum. Dans quelques instants, tu vas marcher comme Gollum, parler comme Gollum, et tu vas devoir partir dans la salle à la recherche de ton anneau, de ton précieux. Je viens maintenant retirer ce qui fait de toi Valentin et insérer dans ton esprit ce personnage de Gollum. À partir du moment où tu te sens vivre comme Gollum, parler comme Gollum, te déplacer comme Gollum, si bien que sur le compte de 3, lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu n'auras qu'une seule envie, partir dans la salle à la recherche de ton précieux. Tranquille, il est là, hein, commence. Commencez pas, ça peut être dangereux. Valentin, Gollum est totalement implanté dans ton esprit. Je compte 1, tu reviens parmi nous. 2, l'ordre est complètement fixé à l'intérieur de 3, et je compte 3, tu vois les yeux maintenant. Ça va être très fort, tu viens calmer la chaîne, tu viens.